solutions de récupération d'énergie, ou energy harvesting en anglais, sur base d'induction avec des noyaux magnétiques que nous allons venir clipser sur des câbles, soit monophasés, soit triphasés, et nous allons récupérer le champ magnétique émis par le câble, générer une tension de 1,8 à 3 volts pour alimenter des capteurs iode par exemple. L'apport de cette innovation est multiple. L'adage de ces technologies est sans fil, sans batterie. Actuellement, il existe plusieurs types de systèmes de récupération d'énergie, photovoltaïque avec des petits panneaux solaires, thermiques, vibrations, fréquences radio et bien d'autres encore. Et il n'en existait pas encore sur la base de l'induction. L'avantage qu'on a développé, c'est de proposer une technologie qui fonctionne à la fois sur câble monophasé et sur câble triphasé. C'est une technologie qui est brevetée. Et nous avons réussi, en partenariat avec la société IPIS, qui a développé une pilule électronique, un AEM, qui permet de venir récupérer la tension à la sortie de nos noyaux magnétiques et de pouvoir gérer cette tension pour charger des supercaps ou des batteries, par exemple. L'intérêt du système est de proposer une alimentation totalement autonome qui se fixe sur n'importe quel câble dans un bâtiment industriel, un bâtiment extérieur, et de pouvoir gérer cette petite énergie pour alimenter des capteurs IoT, capteurs de mesure de courant, de température, d'hygrométrie, et de pouvoir faire communiquer aussi ces capteurs via du LoRa, du Sigfox, du Bluetooth. Ce sont les éléments que nous proposons avec cette solution. Le plus gros avantage de cette solution, c'est qu'elle se met en œuvre simplement, sans outils et sans dégradation du câble sur lequel nous venons la clipser. Voilà la solution. Donc, nous attendons sur notre stand au salon du CIDE.